toutes et à tous et bienvenue dans Prodige, saison 7 déjà de cette magnifique émission avec toujours de jeunes virtuoses. Ils sont 15 et croyez-moi, grâce à eux, avec eux, nous allons passer une merveilleuse soirée. Entre 9 et 16 ans. Et oui, 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 continuons de les applaudir et on va les laisser rejoindre les coulisses pour finir de se préparer. Alors, dans le contexte actuel, nous sommes ravis, vraiment ravis d'avoir pu maintenir ce concours si prestigieux. Et pour vivre cette belle soirée musicale tous ensemble, eh bien, sachez que nous avons pris toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé des enfants, des musiciens, du public et aussi des équipes de Prodige. Pour départager nos talents, nous avons bien évidemment un jury de grands maîtres du classique. Et cette année, nous avons une nouvelle. C'est sa toute première parmi nous. Elle intègre la famille de Prodige. Nous sommes tellement fiers et heureux de l'avoir avec nous. Elle a commencé à chanter dans les rues d'Avignon, où elle a grandi. Puis elle est devenue l'une des plus grandes cantatrices françaises à l'international. Nous souhaitons la bienvenue à la soprano Julie Fuchs. Lui aussi sillonne la planète, c'est un brillant ambassadeur du violoncelle à travers le monde. Un talent hors norme, fidèle à Prodige depuis le tout début, Gauthier Capuçon. Et enfin, 40 années de scène et toujours la même légèreté, la même précision. Une étoile de l'Opéra de Paris rayonne ce soir avec nous, la danseuse et chorégraphe Marie-Claude Pietragala. Et bien sûr, nous saluons Elisabeth Vidal qui est partie vivre de nouvelles aventures. Je salue aussi rapidement les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Marseille et le Chœur de Provence qui nous accompagne ce soir. Ils sont dirigés par la tourbillonnante baguette de Zaya Ziwani. Chez vous aussi, je sais que vous êtes prêts à participer en nous envoyant tous vos commentaires avec le hashtag Prodige. Je crois qu'on peut le dire, le spectacle peut commencer. Et c'est à Stella, notre première instrumentiste, que revient la délicate mission de débuter cette soirée. Elle joue du piano et elle va nous interpréter un chef-d'œuvre de Beethoven, la sonate Claire de Lune. Alors Stella, elle a déjà fait de nombreux concerts à travers le monde, malgré son jeune âge. Mais ce soir, c'est sa toute première avec un orchestre. Voici Stella. Bonjour, je m'appelle Stella, j'ai 14 ans, je viens de Monaco et ma passion c'est le piano. Pour moi, Prodige, c'est un rêve qui se réalise. J'ai toujours été amoureuse du piano quoi. Et mes parents m'avaient acheté un petit jouet piano et je reproduisais des musiques Walt Disney et tout. Et c'est là où on m'a inscrit à des cours de piano pour la première fois. Quand j'ai été prise à Prodige, je m'en rappelle très bien, j'étais chez mon cabinet d'orthodontiste. Et c'est ma mère qui m'a annoncé. Camille vient de m'appeler. Non. Tu fais Prodige. Elle a hurlé de joie, elle m'a sauté dans les bras, elle pleurait, elle riait. C'était une petite fille vraiment de 5 ans, c'était Noël, c'était vraiment le cadeau. Quand son enfant réalise un rêve, c'est très fort. Donc on était toutes les deux aussi émues l'une que l'autre. Je suis très très heureuse d'être ici avec tous les autres prodiges. Il n'y a pas du tout un esprit compétitif et c'est vrai que ça m'a beaucoup surprise quand je suis arrivée. On s'entend tous très très bien et j'ai l'impression que ça fait depuis des années qu'on se connaît quoi. Et c'est vraiment une super ambiance. Alors nous allons accueillir Stella au piano. Bonjour, merci. Pour la demi-finale, je vais interpréter la sonate Claire de Lune, le troisième mouvement de Beethoven. Sol, mi, sol. Quand je joue cette pièce, je ressens beaucoup d'énergie avant tout et beaucoup de colère aussi parce que c'est une pièce assez colérique. Bravo. Juste tu fais attention, vers la fin, t'as tendance un peu à presser. Juste tu prends ton temps, l'énergie que tu donnes au début est bien, fais attention à ça.
J'ai jamais joué avant Prodige avec un orchestre, donc c'est une grande première pour moi. D'être au cœur, d'entendre tous les instruments, d'être avec la chef, moi, ça m'a beaucoup émue. J'étais là, j'ai failli me retenir de pleurer quoi, pendant que je jouais. Ok, merci. Avant de monter sur scène, je me chante les premières notes. Je prends une grande inspiration. Je fais un peu le vide dans ma tête, je me recentre et je pense qu'à une seule chose, et c'est de faire de la musique et de tout donner. Stella, 13 ans, quelle puissance et quelle douceur en même temps. Gauthier, je vais évidemment m'adresser à vous pour commencer. Stella, elle a découvert le piano, elle a eu cette chance à l'âge de 3 ans à l'école maternelle. Là, elle vient de nous jouer, on est d'accord, une sonate très exigeante. C'est une sonate très difficile, très virtuose, avec beaucoup d'arpèges, beaucoup de difficultés, de réelles difficultés techniques d'ailleurs, qu'elle maîtrise haut la main. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, notamment, ça m'a frappé dans le début,
Et dans la fin, cette sonate, ce final, il est d'une violence inouïe. Il y a quelque chose de très noir, de très ténébreux comme ça. Et c'est-à-dire que la promesse de concentration d'avant que tu as eue avec ce silence, cette introspection, j'en attendais plus sur les premières mesures. On sent que tu peux faire encore plus. Vraiment, va vers cette direction, vers cette violence à chaque fois. En tout cas, un grand bravo à toi. Oui. Merci beaucoup. Infiniment. Merci pour vos conseils. Julie. Bravo, je suis ravie de moi-même commencer ma participation à l'émission comme ça. C'est très émouvant. Ta concentration était très belle, du début à la fin. Et j'ai vu ce petit moment avant que tu arrives, tu as expiré. Alors, je suis chanteuse, donc je suis particulièrement attentive à ces détails-là. Et tu as fermé les yeux, un millième de seconde. Et là, je savais que ça allait bien se passer. Merci bravo, beaucoup. Bravo. Voilà donc pour notre première prodige. Alors, je me rappelle que nous avons trois catégories, hein, instruments, évidemment, chant et aussi danse. Alors, cinq prodiges dans chacune de ces catégories et seuls trois d'entre eux se qualifieront ce soir pour la grande finale de la semaine prochaine. Ils sont donc 15 à l'heure qu'il est et ils ne seront plus que 9 à la fin de cette soirée. Parmi eux, évidemment, oui, la gagnante ou le gagnant du magnifique trophée de prodige et d'une bourse d'études de 10 000 euros pour parfaire son art. C'est un joli cadeau. C'est maintenant le moment de vous présenter Élise. Élise, qui du haut de ses 9 ans est la Benjamine de notre concours. Alors elle a découvert l'opéra grâce à son papa, qui lui racontait l'histoire de la Reine de la Nuit, l'héroïne de la Flûte Enchantée. Mais ce soir, c'est la chanson de Leonard Cohen, Alléluia, qu'elle interprète pour nous. On part ensemble ? C'est vachement bien. Impressionnant. Ouais. Je m'appelle Élise, j'ai 9 ans, j'habite à Genève, je suis dans la catégorie chant. Je suis très curieuse, je fais de la danse et du cirque. Après, je suis assez excitée, je suis pas très calme. Mes parents, ils m'ont mis à une école d'opéra, comme ça, là-bas, à l'opéra, je chante. Et à la maison, je leur casse pas les oreilles. Élise, ça a été surprenant parce que longtemps, finalement, c'était plus énervant que beau. Et elle a chanté. Le bateau veut filer. Elle a chanté une fois ou deux où ça. On sentait un truc, en fait. Moi, elle me fait des frissons, hein. En demi-finale, je vais chanter Alléluia de Leonard Cohen. Mais ça va très bien. Ça va très bien. J'arrive pas. Même s'il y a des petites erreurs, c'est pas grave. On est juste là pour essayer de faire un peu mieux, mais c'est déjà très bien. Et tu es pas la seule, tout le monde. Hein. Parfois, c'est pas facile. Ma puce, on est fiers de toi et j'espère vraiment que tu vas te faire plaisir ce soir. Je suis dans les coulisses, il y a le train qui monte un peu. Respire, ça va bien se passer. Voilà. Et tu souris. Et puis voilà, tu diras, oh, c'est déjà fini après. Là, c'est à moi d'aller sur scène. Mais j'espère que je vais pas faire de fausses notes ou quoi que ce soit. Ça me fait quand même un peu peur d'être devant le jury, mais ça va.
C'est beaucoup d'émotion. Tu veux aller voir papa et maman? Ils sont là, ils sont debout. Vas-y, et on se parle après. C'est super, mon chat. Super. Ouais, je fais une faute à la fin. On n'a rien entendu. Julie, on croirait que ça rappelle des souvenirs chez vous. Bah voilà, moi aussi je suis émue. Hein. Eh bah oui. Mais j'ai envie de te demander pourquoi tu es émue, toi. C'est quand j'ai vu ma maman pleurer. Eh oui. Julie, vous qui chantez sur les scènes du monde entier avec les plus grands orchestres, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à... Bah c'est exactement à ça que sert notre métier. À exprimer des choses qu'on ne peut pas forcément exprimer avec des mots. Et aussi, le fait que tu vois ta mère pleurer, ça résume aussi quelle est l'essence de notre métier, c'est-à-dire donner des émotions aux autres. Donc, bravo pour ce moment suspendu. Merci. Merci beaucoup, Julie. Pietra? Alors, Élise, moi, j'ai trouvé d'abord, dès le départ, j'ai trouvé que c'était magique. Parce que je t'ai vu arriver, descendre les escaliers, c'est déjà pas facile hein, de descendre des escaliers avant de chanter, et te planter dans le sol et ne plus bouger. Donc moi, je sais d'où elle tire sa voix. Elle tire sa voix du sol, de cette force qu'elle a. Et moi, je trouve qu'elle a presque une voix qui la dépasse à 9 ans. C'est presque une voix d'une maturité de quelqu'un de plus âgé. Et c'est ça, la belle surprise quand on te voit sur scène. C'est de voir que tu es une petite fille de 9 ans et en même temps qu'il y a cette voix comme ça qui nous submerge. Merci. Notre prochain prodige a 16 ans et alors lui, il est un grand danseur dans tous les sens du terme. 1m86, ça c'est pour la taille, et déjà un passage par l'Opéra de Paris pour ce travailleur acharné qui danse 27 heures par semaine. Est-ce que ce sera suffisant pour être parmi les 3 danseurs finalistes? Paul sera sur la scène de prodige dans un instant avec un extrait de Casse-Noisette. Ça y est, on y va. Tu peux souffler. Passionnant, hein. Il y a presque un truc de mezzo dans le grave. C'est Paul, hein. Ah ouais, c'est curieux parce qu'elle a 9 ans. Elle n'a pas bouché. Non, c'est-à-dire qu'elle a une voix beaucoup plus naturelle dans le registre grave. C'est ça. Parce que forcément, à son âge, c'est l'accent ouais. plus naturel. Et dans l'aigu, du coup, elle, avec son âge, elle trafique forcément un peu. Oui. Mais c'est normal qu'elle lâche. Oui, il faut qu'elle lâche. Ouais. Mais avec le stress. Bah oui, t'imagines. Je m'appelle Paul, j'ai 16 ans, je viens d'Orléans et je fais de la danse classique. Quand j'étais petit, j'ai regardé le film Billy Elliot avec ma sœur et du coup, après, je suis allé demander à mes parents si je pouvais m'inscrire à la danse. À l'âge de 8 ans, j'ai passé l'audition pour l'Opéra de Paris et du coup, je suis resté 3 ans et demi à l'Opéra de Paris. Je pense que pour mes parents, ça a été un peu dur d'apprendre que je partais à 8 ans. Qu'il ait déjà une autonomie, c'est quand même assez compliqué. Enfin, à vivre au départ. Le lien familial était cassé tout petit, mais néanmoins, la passion, là encore, étant plus forte, les liens se sont serrés d'une façon différente. On le suivra jusqu'au bout. Faire vivre sa passion à son enfant, c'est quand même extraordinaire, extraordinaire. Et au bout de ma 3e année, en 5e division, j'ai passé un examen qui nous permet de passer une classe ou de devoir partir de l'opéra. Et cette année-là, j'ai pas réussi l'examen, du coup, j'ai dû rentrer chez moi à Orléans. Un peu une déception, mais au final, on s'y fait et on a envie de reprendre pour donner le meilleur de nous-mêmes et pouvoir repartir. Pendant, on va s'entraîner un petit peu. C'est super beau. Ouais, c'est magnifique. En demi-finale, je vais danser sur la danse russe de Casse-Noisette. Pam param pam 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 pam, pam param pam 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 pam. Les danseurs sont très heureux bien souvent de danser cette danse parce que c'est plein de sauts, plein de joie. Il manque 4. Oui. Ouais. Allez, montre le 8. Je pense un peu manquer de respiration dans certains moments de la variation. Respire, 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 respire. Je vais essayer de bien respirer et de prendre mon temps pour danser cette danse russe. Quand il danse, on est ébloui. Il a une telle passion. C'est une très, très forte émotion. De voir son enfant sur une scène, c'est extraordinaire. Ah,
J'ai le cœur qui bat un peu vite. J'essaie de calmer ma respiration. J'ai beaucoup d'adrénaline. Bonne chance. Je monte sur scène, je me prépare, je prends une grande inspiration. Je regarde le jury, le public, et je me lance. Notre premier danseur, Paul, qui a 16 ans. Je vais remercier le corps du Palais d'hiver Saint-Pétersbourg Ballet qui accompagnera tous nos danseurs ce soir. Pietra, que vous inspire la danse de Paul ? Alors, Paul, déjà, on va évacuer la question de la taille. C'est formidable d'être grand, donc c'est un plus. Faut que tu danses avec ton physique. Je m'explique. N'essaye pas de danser petit. N'essaye pas de danser comme un danseur qui serait plus petit que ce que tu n'es. D'accord. Il faut que tu assumes ce physique. Tu as un magnifique physique, très, très fin, très élancé. Il faut que tu travailles énormément tes pliés. Tu sais, le plié, c'est vraiment la clé magique pour tout ce qui est saut, batterie, pirouette. D'accord. Il faut vraiment que tu respires dans ta danse. C'est vraiment le plus important. Le fait que tu respires, le fait que tu prennes ta force dans ton ventre, tu vas libérer le haut du corps. Je trouve que t'es un peu crispé sur tes bras. Hein ? J'aimerais que tu essayes de me refaire ces deux pirouettes. Relâche ton plié dans ta préparation. Relâche le plié. Et voilà. Tu vois, là, du coup, tu maîtrises ta pirouette. Ta pirouette est ample, elle est belle. Mais surtout, ne t'excuse pas d'être grand. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Et le plier, le plier, le plier, le plier. Mais bravo, je trouve que tu as une très jolie présence. Paul qui va s'endormir en pensant, mon plier, mon plier, mon c'est plier. C'est ça, oui, oui. Gauthier.
Moi, les plier, glisser, tout ça, c'est tout comme Pietra, je suis tout à fait d'accord. En même temps, qui contredirait Pietra? C'est ça. Et la taille, au contraire, j'ai trouvé te donner ce côté aérien qui est absolument splendide. J'ai vraiment apprécié. Et je me suis simplement demandé si... corrige-moi, je vais peut-être dire une énorme bêtise, vas-y. Si tu... Vous me foutez la pression, là. Si tu ne gagnerais pas à avoir un tout petit peu plus d'ancrage au sol pour contrebalancer avec cet immense côté aérien. Là, il m'a manqué plié. Un tout... Ah, c'est le plié, ben voilà. Il m'a manqué, il m'a manqué un tout petit peu d'ancrage dans le sol. Mais c'était plus magnifique. Tu t'enfonces dans le sol, plus tu prends la force et plus tu peux t'élever et voler. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle que dans chaque catégorie, ils sont 5, prodiges, 3 se qualifieront pour la finale de la semaine prochaine. On a donc 9 tickets à décrocher ce soir. Et c'est maintenant à Raphaël de nous rejoindre avec son violon. Raphaël est fan de Camille Berthollet, merveilleuse gagnante de la première saison de Prodige. Et Raphaël fait partie d'une famille, grande famille de musiciens. D'ailleurs, un de ses frères participe aussi au concours. C'est une première dans Prodige, deux frères en compétition, l'un contre l'autre. Là, je pense aux parents dans la salle. Vraiment, pour eux, ça va être double dose d'émotion et de stress. Accueillons Raphaël, qui a choisi de jouer l'air d'un compositeur classique contemporain, Carl Jenkins. On y va, Paul. Il a quelque chose, il a une jolie présence, il est agréable. Je m'appelle Raphaël, j'ai 13 ans, je vis à Majorque. Je joue le violon depuis que j'ai 4 ans et demi. Depuis tout petit, j'aimais le violon. Je voyais papa, parce que c'est un violoncelliste, à l'orchestre des îles Baléares. Je suis très fier. C'est vrai que moi aussi, je joue d'un instrument à cordes. Donc, de le voir exceller dans cet instrument, voilà, ça remplit de joie, forcément. À la maison, on est 6 enfants. Mes frères et moi, on a formé un groupe de rock. Moi, je suis à la batterie. La batterie, en fait, c'est comme mon deuxième instrument. Si j'arrive pas au violon, bah d'accord, je fais la batterie. Comme ça, j'ai quelque chose à la place. L'aventure prodige, je la partage avec Liam, mon grand frère qui a 15 ans. Ils sont pas l'un contre l'autre. Au contraire, chacun va s'y donner le meilleur de soi-même. Même, ils s'encouragent l'un l'autre, donc c'est top. On peut partager avec les gens ici parce que c'est des musiciens comme nous. Moi, je crois qu'on a beaucoup de chance d'y être. Nous allons accueillir un jeune violoniste. Bonjour Raphaël, bienvenue. Jouer avec orchestre, c'est une grande chance. C'est comme un rêve qui s'accomplit en gros, parce que ça n'arrive pas du tout le temps de jouer dans une salle aussi grande, aussi spéciale, aussi illuminée, aussi belle. 2, 3. Pour cette demi-finale, alors, je vais interpréter une pièce de Jenkins qui s'appelle Lament of the Valley. Ça marche super, bravo. Et tu peux même prendre ton temps, tu vois, le ti-da-di-da-pa-pa-pa. Oui, on t'attendra là-dessus. D'accord. Je suis confiant. Après, il y a des petits trucs qu'il faut encore voir. Pour l'instant, c'est cool. Ce soir, dans le public, pour me regarder, il y a mon père. J'ai envie qu'il soit fier de moi. Voilà, je rentre sur scène, je regarde le jury, le public, impressionnant. Je respire. Allez, c'est mon moment.
merveilleux moment de grâce. Merci, Raphaël. Ça va ? Ça va. J'ai l'impression que tu savoures, que tu es vraiment à ta place. Oui, en fait, j'avais jamais pensé pouvoir faire ça, avoir l'opportunité de faire ça. Raphaël, qui a reçu son premier violon à l'âge de 19 mois. Normalement, à cet âge-là, on a plutôt un camion de pompiers. Mais voilà, lui, c'était un violon et ben, il a su le mettre à profit, ce beau cadeau, hein, Gauthier, je crois. Salut, Raphaël. Salut. Écoute, tu vois, tu parles, tu t'adresses à nous, tu es hyper à l'aise, mais c'est la même chose au violon, en fait. Il faut dire que c'est très difficile, hein. Ce qu'il joue, ça a l'air très facile, mais la tenue de l'archet, le son et la répartition de ton archet, la fluidité, vraiment, c'est, pour ton âge, c'est très, très impressionnant. Un contrôle du début jusqu'à la fin du son est vraiment une maîtrise incroyable. Il y a une chose qui me gêne un petit peu plus, c'est le vibrato. C'est-à-dire que là, tu as un vibrato qui est extrêmement lent. Il faut juste, il ne s'agit pas de le changer. Il n'y a pas un vibrato, il y a 10 millions de vibratos. Donc, il faut que tu ajustes en fonction de ce que toi, t'entends. OK, tu penseras à ça ? Ouais. Magnifique, ouais, bravo à toi. Merci pour le conseil. Raphaël, on va aussi écouter très attentivement les commentaires de Julie, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais elle a été premier prix de violon au conservatoire, Julie. Ah bon ? Eh oui. OK. Alors, j'espère. Non, je suis toujours impressionnée par les gens qui se présentent sur scène en jouant du violon parce que je trouve que c'est un instrument extrêmement difficile. Bravo à tous les violonistes. J'ai l'impression que tu pourras aller bien plus loin dans cette énergie que tu as en la canalisant. Je ne sais pas de quelle manière, mais on sent le feu et on a peur parfois d'être un peu brûlé. En tout cas, c'est très touchant de sentir ce feu et j'espère qu'il va nous réchauffer dans plein d'autres occasions. Merci. Moi, j'ai quand même envie de poser une question à papa, qui est par là. Vous ressentez quoi, vous, ce soir, à voir votre Raphaël sur la scène de Prodige ? Ben, je suis très ému parce que c'est vrai que quand il avait 19 mois, il avait pris un violon qui était monté violoncelle à l'époque pour son grand frère. Alors, il appelait ça le holon à l'époque, évidemment, oh là là. Parce qu'il ne pouvait pas dire le violon. Donc, voilà, je me souviens de ce moment comme si c'était hier et c'est très touchant de le voir. Et voilà, je suis ravi qu'il soit là. Je vous laisse vous reconcentrer pour le grand frère qui va arriver dans un instant. Okay. Et de votre côté, ben, vous pouvez continuer à encourager ou à féliciter Raphaël comme tous les autres artistes avec le hashtag Prodige. Nous allons maintenant découvrir la deuxième chanteuse de cette nouvelle saison. Elle a 15 ans, elle est originaire d'Angers et elle aime Lady Gaga, Queen et aussi Georges Bizet. Elle interprète d'ailleurs la célébrissime chanson d'amour extraite de l'opéra comique Carmen qu'elle a vue, écoutez bien, 50 fois, et c'est vraiment 50 fois. Si je vous dis l'amour est un oiseau rebelle, Aliénor sera sur scène juste après ce portrait en images. Et soyez bien attentifs chez vous, puisque juste après, nous jouerons ensemble pour vous faire gagner la somme de 15 000 euros. Voici Aliénor. Nous, Raphaël, on y va. Il est incroyable, ce petit garçon. C'est une sacrée personnalité. Hein. Allez, c'est parti! Je m'appelle Aliénor, j'ai 15 ans, je suis en 3e. Je me présente dans la catégorie chant et je viens de Angers. Ma spécialité dans le chant, c'est le chant lyrique. Je suis très fière d'Aliénor et puis en plus, pour moi, c'est une très belle expérience. De pouvoir arriver à faire Prodige, c'est quand même merveilleux. Je suis épaté par ce qu'elle fait. Franchement, là, chapeau. J'ai découvert Prodige dès le début, en fin de compte, parce que ça sert à quand même de voir des concours de classiques où il y a des jeunes qui se présentent et qui transmettent leur passion aux autres, qui montrent leur passion et dire que c'est pas si rare et qu'il y en a quand même, c'est juste qu'on n'a pas l'occasion de le montrer. Oh, waouh, oh, 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 oh. C'est trop beau. Voilà, c'est bon, j'ai regardé. Oh, c'est bizarre, hein. Oh, putain, c'est bien. Magnifique, on est dans un super beau décor. Moi, je propose qu'on bouge plus et qu'on reste là jusqu'à la fin. Voilà, comme ça, on n'aura pas peur. C'est mon tout premier concours.
Et en plus, c'est la première fois. Et en plus, ça passe à la télé. Donc, c'est une petite pression. Mais je pense que quand je suis dedans. Donc, ça va aller, je pense. Je vais chanter la Bagnera dans Carmen de Bizet. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Les difficultés, je pense que c'est surtout beaucoup, beaucoup les paroles parce que c'est important de bien prononcer chaque mot. Je suis dans les coulisses, je regarde un peu à droite, à gauche, j'essaye de nommer ce qui m'entoure et me dire que tout va bien se passer et que de toute façon, tout le monde est là pour m'écouter et j'y vais. Forcément très émue. Comment ça va, Aliénor? Oui, ça va pour l'instant. Aliénor, elle n'avait jamais participé à un concours avant ce soir parce qu'elle pensait ne pas être prête. Julie, je crois qu'on peut la rassurer. Bravo, parce que tu as été déconcentrée au tout début, mais tu as réussi à te reconcentrer tout de suite. Donc ça, déjà, bravo. Là, ce que j'ai envie de dire tout de suite, c'est que tu chantes un air emblématique, un air de femme, un air de femme méditerranéenne, et c'est vraiment une scène de comédie que tu dois faire là. Donc, tu t'y es risqué, bravo. Il faut aller
mille fois plus loin, parce que tu vas voir que ça va influencer ta voix. Par exemple, quand tu chantes « Prends garde à toi », il est superbe ce « A »,« Prends garde », et tu le coupes. Alors que je suis sûre que tu es capable de le tenir 20 secondes. Et d'y prendre du plaisir surtout. Quand je fais un aigu, je me dis « Bon, c'est un peu bon, pourquoi ?» Ok, bon, je m'oblige, je me dis « Je fais 10 pas ». Et en marchant, je tiens l'aigu, en mouvement, pour qu'il y ait un mouvement dans le son, pour qu'il y ait une... Vous venez nous montrer ? Oui. Tu me suis. Mais je suis sûre que vous venez pour ça aussi, les prodiges, pour ces petits moments avec le jury. Kitra. Alors, j'entends tout ce que dit Julie, je suis d'accord avec elle. Je crois aussi que c'est... Comment tu t'appropries ce rôle de Carmen ? Alors, il faut s'imaginer cette femme libre et sauvage. Donc déjà, il faut que tu te l'appropries dans le corps. Et à partir de là, je pense que la voix va aussi muter, va aussi changer. Elle va te donner d'autres couleurs, parce que le corps va être tellement en situation. Mais bravo pour ce courage d'avoir pris cette héroïne qu'on a toutes eu envie de jouer, et qu'on a toutes envie de jouer, Carmen. Mythique. Merci beaucoup. Merci Pietra. Et c'est maintenant à vous de jouer à la maison, parce que cette année a été très particulière. Nous avons souhaité vous donner un peu de baume au cœur en mettant en jeu la somme incroyable de 15 000 euros. Vous avez bien entendu, 15 000 euros. Pour tenter de gagner, il vous suffit de répondre correctement à cette question. Quelle œuvre Aliénor vient-elle de chanter ? Est-ce Alléluia, tu ne souffles pas, Aliénor ? Réponse 1. Est-ce l'amour est un oiseau rebelle ? Réponse 2. Vous envoyez vite 1 ou 2 par SMS au 72121, ou bien vous appelez le 3632. Attention, vous n'avez que quelques minutes pour nous envoyer votre réponse. Et le tirage au sort des 15 000 euros aura lieu tout à l'heure. Bonne chance. Revenons à nos prodiges, parce que nos prodiges, ils n'ont pas qu'un don musical, ils sont aussi des enfants comme les autres avec plusieurs passions. Alors, la musique classique, bien sûr, mais aussi le rap, le hip-hop, le foot, le tennis, le tir à l'arc, le shopping. Ils ont aussi une force de caractère hors du commun. Pénélope, par exemple, qui va bientôt nous rejoindre, ne parlait pas un mot d'italien lorsqu'elle a eu le courage de quitter le nid familial et son pays, à 13 ans, pour intégrer la prestigieuse Scala de Milan. Pénélope, c'est une battante, et vous allez comprendre dans son portrait pourquoi je vous dis cela. Juste après, elle dansera sur ce que Beethoven considérait comme l'une de ses meilleures œuvres, le deuxième mouvement Allegretto de la symphonie numéro 7. Voici Pénélope. Aliénor, on y va. Moi, c'est Pénélope, j'ai 16 ans, je viens de Bordeaux et je suis de la catégorie de danse. T'es en cinquième. J'ai commencé la danse à 11 ans, c'est très tard, mais ça m'a tout de suite plu et j'ai continué coûte que coûte. J'ai été prise à la Scala de Milan, donc je suis partie à 12 ans, toute seule en Italie. Pour ma maman, je sais que c'était super compliqué parce que j'étais vraiment très proche d'elle avant de partir. On est partagé entre la joie pour elle parce que c'était son vœu le plus cher. Même je l'ai poussée à faire ça. Mais d'un autre côté, pour moi, c'était une déchirure, quoi. La deuxième année, j'avais vraiment mal au dos et mal aux pieds. Je comprenais pas ce qui se passait. Je voyais tout le monde qui progressait et moi, je progressais pas. J'avais vraiment peur. Par rapport à ça, la Scala m'ont pas trop aidée. Ils m'ont renvoyée parce que je progressais plus. Du coup, j'ai fait des examens pendant les vacances. Et on a trouvé un kyste dans mon dos qui bloquait tous les nerfs dans ma colonne vertébrale. On m'a opérée et c'était une opération assez compliquée. C'était 5 heures d'opération. Tout s'est bien passé. J'ai dû réapprendre à marcher, donc j'ai presque arrêté la danse pendant 1 an. Et ensuite, j'ai repris sur de bonnes bases. Et là, je suis en train de remonter la pente et ça va beaucoup mieux. Magnifique.
progressivement, j'ai remis les pointes, réappris toute la technique, j'ai retrouvé les sensations dans mon corps. Et je suis encore en train de progresser parce que c'est toujours pas guéri. C'est pour ça que Prodige, c'est important pour moi, parce que je veux me prouver que je peux le faire malgré tout ce qui m'est arrivé. Voilà. Ce soir, je vais danser sur l'Allegretto 7e de Beethoven, qui m'inspire énormément. Good. C'est une danse de caractère. Il faut montrer vraiment la puissance. Très bien, pose les pieds. Excellent. C'est dans les tripes et j'aime beaucoup. Avant de monter sur scène, je souffle, mais très fort. OK, c'est mon nom. Donc là, j'entre sur scène, c'est incroyable. Il y a tout le monde qui attend mon entrée et je suis plutôt excitée. Pénélope. Tu ne dis pas quelques mots maintenant, tu récupères ton souffle. On va laisser d'abord parler Pietra. Pénélope, tu as un physique de rêve. Vraiment un potentiel incroyable. Avec un coup de pied qu'il va falloir bien canaliser parce que tu as une fragilité dans les chevilles. Mais les qualités, le potentiel est indéniable. Des levées de jambes à faire pâlir les plus belles danseuses. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que tu te fasses confiance. J'ai l'impression que des fois, tu t'excuses de danser. Non. Quand tu arrives sur scène, c'est toi, on doit voir ta personnalité, ton identité, qui tu es. Il faut toujours que tu te dises qu'aucun geste n'est gratuit. Donc je crois que c'est ça, il faut que tu te fasses confiance. Voilà, j'ai envie de dire, ne lâche pas. Malgré tout ce qui t'est arrivé, tu te rends compte. Merci. Que tu fais prodige. Tu es magnifique, Pénélope, et il faut que tu croies en toi. Voilà. Ah oui. Merci. Ah oui, ne lâche pas. Gauthier. Moi, il y a quelque chose que j'ai vraiment
admiré beaucoup chez toi. Je trouvais que tu avais une élégance vraiment très très belle, qui m'a beaucoup touchée. Mais c'est aussi cette puissance et cette détermination que tu as dans ton regard, dans ton port de tête aussi. C'est très très beau, on le voit ça très fort chez toi. Et il faut vraiment que tu aies confiance en toi, dans cette détermination que tu as au fond de toi. Donc montre-la et vraiment prends confiance. Très beau, bravo. Moi, je vais me permettre une question très rapide à papa et maman qui sont là-bas. J'aimerais savoir comment vous réagissez en entendant tous ces commentaires, ces compliments sur votre fille. Je suis très fier d'elle, en fait. Je crois qu'on est très fiers d'elle tous les deux. Oui. Et puis, par rapport à tout ce qu'elle a passé, ce qu'elle a raconté. Mmh. L'an dernier, on attendait l'opération à la même époque, enfin, pratiquement. Donc voilà. C'est un beau cadeau, merci à tous. Tu veux aller retrouver tes parents ? Vas-y, vas-y. Oui, je vous l'avais dit, ça serait une soirée pleine d'émotions. Et quand on dit que nos prodiges travaillent beaucoup, ça aussi c'est une réalité. Imaginez maintenant une enfant de la balle, puisqu'elle est issue d'une famille de musiciens, et ils sont tous là. Elle est aussi une enfant du ballon, j'ai bien dit elle, elle est passionnée de football. Alors pour se faire une place en finale, elle a choisi d'interpréter avec sa clarinette une danse hongroise au rythme effréné, une œuvre signée Vittorio Monti. On écoute Lou et on y va, Pénélope. C'est magnifique ce qu'elle fait. Elle a une détermination. Oui. Oui. C'est vraiment touchant. Salut, je m'appelle Lou. J'ai 14 ans. Je suis dans la catégorie instrument. Je fais de la clarinette depuis presque 10 ans. Je me vois pas ne pas faire de clarinette parce que ça fait vraiment partie de ma vie presque depuis toujours. Ça a été compliqué au début parce qu'à 3 ans, on n'a pas des grandes mains. J'ai commencé du coup avec la demi-clarinette. Quand je vois jouer Lou, je suis impressionnée par là où elle en est musicalement. Surtout ce qu'elle transmet. J'ai deux passions, donc la clarinette et le foot. La clarinette, c'est quelque chose de très carré parfois, et le foot, ça permet un peu de se lâcher, de se détendre. En demi-finale, je vais jouer la Xardas de Monti. C'est un morceau, ouais, plutôt festif, et moi, j'aime bien apporter de la bonne humeur. Il faut être régulier, rester bien avec l'orchestre. Est-ce que tu veux qu'on le prenne plus vite ou pas dès le début ? Oui, j'ai l'habitude de jouer plus vite. Ouais. Plus vite, d'accord, ok. J'ai beaucoup le trac, je suis un peu impressionnée par la salle, mais ça me fait pas si peur que ça parce que je sais que je suis très contente d'être là et que ça fait 2 mois que j'attends ça. J'ai qu'une envie, c'est de montrer de quoi je suis capable.
C'est merveilleux, Lou. Je ne sais pas si tu as eu le temps de les voir, mais alors papa et maman, ils étaient à fond. Comment ça va? Ça va mieux. Qu'est-ce que vous avez ressenti en la voyant? Elle est parfaite. Eh oui. Gauthier, elle est parfaite, dit maman. Bravo, Lou. Merci. J'ai l'impression que tu t'excuses presque d'être là. Faut que tu sois heureuse, c'est magnifique ce que tu as fait. Merci beaucoup. Alors, tu sais ce que c'est, la Xardas? C'est un morceau traditionnel et qui est beaucoup joué dans des fêtes, généralement, qui est plutôt festif. Et qui... Voilà, ça vient de Hongrie. Oui. Et Xarda, dans le vieux hongrois, ça veut dire taverne. Tu vois, c'est vraiment, on est dans le folklore total. C'était très beau ce que tu as fait, avec un son, un souffle qui est contrôlé. Bravo à tes professeurs. Et techniquement, c'est quand même très, très difficile. Tu l'as réalisé de manière extraordinaire, mais il m'a manqué le côté vraiment folklorique. Alors, je sais bien que tu ne peux pas vraiment sourire quand tu joues, mais j'ai envie de te voir rire, sourire avec les yeux. Et à la fin, quand tu fais... Non, il faut que tu jettes carrément la clarinette, là, à la fin. Tu nous embarques. Allez, bravo, Lou. C'était magnifique. Bravo. On va écouter Julie, parce que je l'ai dit pour te présenter. Lou, tu joues au foot. Julie aussi. Je jouais au foot quand elle était plus jeune. Eh oui. Eh oui, effectivement. J'avais une famille de garçons qui aimaient bien jouer au foot. Tu joues quelle position? Défense et milieu. Pareil. Là, on change d'émission. Julie, le chant, le foot, le violon. J'ai trouvé que j'écoutais enfin quelque chose d'absolument propre. C'est un compliment, hein. Dès le début, j'ai senti qu'il y avait une musicalité, tout de suite. D'ailleurs, peut-être même plus dans les parties lentes. Essaie d'appliquer cette musicalité dans les parties rapides. Mais c'était parfait. Bravo. Merci. Notre prochain prodige s'appelle Auguste. Pour ce show de Noël et pour remporter peut-être sa place en finale, il va interpréter une chanson de circonstance de John Lennon, Happy Christmas. Auguste sera sur scène juste après ces images. Lou, je t'emmène avec moi. Super, moi. Ouais, c'est un autre niveau, quand même. Mais bon, à quel âge? Elle a 14 ans, elle est jeune. Bah, tu vois, je trouve. Oui. Alors, c'est peut-être parce que je suis pas clarinettiste. Que... C'est hyper. C'est vrai. C'est carré. Oui. Bonjour. Ah, mais Auguste est là. Bonjour. Je m'appelle Auguste, j'ai 16 ans, j'habite à Lissac dans l'Aveyron, je suis en classe de première et je me présente en catégorie chant. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons, j'ai dit faut pas qu'il meure, il y a ton à ma maison. Je suis né en Haïti, j'ai été adopté, du coup je suis en France depuis l'âge de 3 ans et demi. Si canto que cante, canto pas. Ma vocation est née quand ma mère m'a amené voir Carmen à l'Opéra Bastille. C'est surtout ma mère qui m'a donné la force. Auguste, c'est un grand ado, un peu réservé quand il connaît pas trop, mais alors c'est un gamin adorable, bout en train. Si on se faisait un petit selfie. 1, 2, 3, pour la demi-finale, je vais chanter Happy Christmas de John Lennon. So this is Christmas, and what have you done? Ah ben moi, ça me donnait des frissons. Et puis parfois, je me dis, bon, ben, au fond de ma tête, je voulais pas y croire, mais je crois qu'il est vraiment fait pour ça, mon fils, voilà. Il y a une note où je n'y arrive pas toujours très bien. Des fois, elle passe, des fois, elle passe pas. C'est assez agaçant. Ce que je te conseille, c'est de ne pas traîner sur les notes qui arrivent juste avant ton fa dièse. Tu vois, tu ne t'appesantis pas sur le you, le W, non, you want. On va chanter là devant un jury de professionnels. Donc c'est ça qui me fait le plus peur, pas envie de me rater. C'est ton moment, c'est à toi de jouer.
Et je crois en toi, ok? Allez, bon courage. Avant de monter sur scène, je souffle, je me détends les joues, le visage, pour être relaxé avant de chanter. Auguste. Ça va? Oui. Ouais. C'est un petit ça va qui veut dire quoi? Oui, bah que je fais une petite erreur. Ah, tu as fait une petite erreur? Oui. Oui. Dans le on champ. En parle maintenant ou on attend le jury? Comment tu préfères? Oh, bah, je sais. Que je on n'en parle pas, il n'y a pas besoin. Alors, Julie, si tu sais, il n'y a pas besoin d'en parler. Bon. Si tu la connais, il n'y a pas besoin d'en parler. Quelle belle voix. Merci. Il faut continuer à en prendre soin. Ne tasse pas tes graves. Améliore tes aigus, ils sont un peu trop hauts. Donc ça, c'est paradoxal, hein, mais tes aigus sont trop hauts. Homogénise tout ça, mais c'est déjà... Il y a une matière pour travailler magnifique. Continue, bravo. Et vous, Pietra, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à notre Auguste? Ben Auguste, moi, je suis tout à fait d'accord. Je trouve qu'il y a une signature vocale déjà. Tu as une voix belle, puissante, une très belle présence, que dire de plus? Je pense qu'il faut vraiment continuer comme tu le fais, avec aisance. On va demander à ta maman ce qu'elle en pense, parce qu'elle est très sérieuse aussi, dans son coin. Vous, comment vous l'avez vécu, la prestation d'Auguste? Ah ben moi, Auguste, c'est mon trésor et il transmet tellement d'émotions quand il chante que du coup, ben, je suis sa première fan, quoi, évidemment. Et comme on vous comprend, à la maison, bien sûr, n'oubliez pas hein, le hashtag prodige pour encourager tous nos candidats. Nous allons maintenant partir à la rencontre de Juliette. Alors, Juliette, contrairement à beaucoup de nos prodiges, eh bien, elle n'a pas eu de déclic pour son art. La passion s'est installée progressivement au fil des cours, au fil de rencontres marquantes. Récemment, 4 grandes écoles de danse européenne lui ont ouvert leurs portes.
Mais son choix s'est porté sur Toulouse. Et comme je la comprends, on regarde sa prestation. Et juste après, vous pourrez jouer avec nous pour tenter de remporter la somme exceptionnelle de 15 000 euros mise en jeu ce soir. Juliette. Bien, Auguste. Il a une voix, super belle voix. C'était vraiment c'était incroyable. Il faut qu'il fasse attention à ne pas la grossir et pas la vieillir, oui. À ne pas l'alourdir. Oui. Bah, c'est un peu grave pour lui, je pense. Mais en même temps, il avait des aigus. Donc, Oui, mais c'est noble, une grande noble. Elle est très puissante. Et là, pour le coup, il est ancré. Oui. Hein? Oui, oui, oui. Là, il est ancré. Il est ancré. Ouais. Ah, complètement. Bravo! Oh, tu rigoles, tu rigoles. Les Anglais, ils n'auraient rien compris. Parce que... Non, Est-ce que là, ça a déjà tourné ? Je m'appelle Juliette, j'ai 13 ans, je suis en 4e et je fais de la danse classique. La danse classique, c'est vraiment venu progressivement. Au départ, j'y allais parce que c'était sympa, il y avait les copines. Et puis, c'est vraiment devenu une passion. Elle nous a dit un jour, « Papa, maman, je vous aime, mais j'ai conscience qu'il faut que je quitte la maison. Parce que si je veux réussir mon rêve, je dois trouver une école qui puisse me faire progresser. » Je suis partie à 12 ans, à Toulouse. Et du coup, je rentre chez moi à peu près 3-4 jours par mois. C'est vrai qu'on a des... On a encore un peu d'émotion, parce que c'est vrai que cette situation, qu'elle est partie il y a un an, c'est encore un peu... Un peu nouveau. Quand je pars, maman, elle pleure toujours parce qu'elle est, elle est sensible. Quand on m'a dit que j'allais faire prodige et que du coup, je me suis dit, je vais danser devant Marie-Claude Pietragala, j'étais vraiment hyper contente. Pour la demi-finale, je vais danser sur Somewhere in My Memory de John Williams. C'est une musique qui vient du film Maman, j'ai raté l'avion. Ça, c'était la version rap remix. Moi, mon point faible, ce serait le coup de pied. Faudrait qu'il soit plus cambré. Et plie. Oui, pousse bien ce coup de pied en avant. Exact. C'est très joli d'avoir un beau coup de pied, bien rond. J'espère que ce soir, je vais prendre du plaisir à danser, vivre à fond cette expérience. J'ai un peu le trac, mais dès que je vois le corps de ballet, le jury, le public, j'ai vraiment hâte.
et ses si beaux pas de danse et son joli sourire. Trop mignonne, c'est Julie qui vient de dire ça. Trop mignonne, Juliette. On écoute ce que va nous dire Pietra. Alors Juliette, écoute, ta danse, elle était très précise, très fluide. C'était une danse qui respire. Donc je t'ai sentie complètement en harmonie avec ce que tu faisais. Tu nous as transportés dans ton univers et tu nous as rendus heureux de te voir heureuse sur scène. Donc c'est déjà, tu te rends compte ce que tu as déjà, formidable. Merci. Un énorme potentiel. Bravo. Ça te fait du bien d'entendre ça? Ça me fait super plaisir. Super plaisir. Gauthier. Écoute, moi j'ai été conquis, j'ai vu une petite fille magique, j'ai évidemment été transporté par la musique, donc voilà, j'ai été hyper ému. Pour moi, tu as tout, tu as cette grâce, tu as ce sourire, cette élégance, cette fluidité, tu m'as vraiment transporté, bravo. Merci beaucoup. Et je vous rappelle que vous pouvez depuis chez vous tenter de gagner les 15 000 euros qui sont mis en jeu ce soir en répondant correctement à la question suivante. Sur quelle œuvre Juliette vient-elle de danser? Était-ce Somewhere in my memory? Réponse numéro 1. Ou bien était-ce le lac des cygnes? Réponse numéro 2. Vous envoyez vite 1 ou 2 par SMS au 72121 ou bien vous appelez le 3632. Attention, vous n'avez que 5 minutes pour jouer. Le tirage au sort des 15 000 euros aura lieu ce soir. Bonne chance à tous. Alors, vous vous souvenez de Raphaël et de son violon tout à l'heure, et vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il avait un frère en compétition contre lui, dans la même catégorie, la catégorie instrument, une situation inédite dans Prodige, deux frères face à face. Eh bien, voici le grand frère de Raphaël. Il s'appelle Liam et il va jouer un morceau de Franz Liszt intitulé « Rêve d'amour » en français. Tout un programme quand on a 15 ans et qu'on est aussi fan de Nirvana et de Radiohead. Voici Liam. Viens avec moi, Juliette. Là, tu m'apprennes à marcher comme ça. Ah, franchement, moi, elle m'a fait rêver. Oui. Ah, mais vraiment. Ah, bah, elle est gracieuse, elle est radieuse. Incroyable. Très gracieuse. Complètement. Et puis sa danse, elle respire, tu vois, elle est belle. Je m'appelle Liam, j'ai 15 ans, j'habite à Majorque en Espagne et je joue le piano. J'ai commencé le piano à l'âge de 3 ans. Ma mère, depuis tout petit, elle m'a appris au piano, elle m'a pratiquement appris tout. On a été introduit à la musique depuis très très jeune et on a vraiment de la musique dans le sang, on vit avec, on a grandi avec et voilà. Avec mon petit frère Raphaël qui joue le violon. Et c'est super, c'est vraiment une aventure absolument géniale d'être avec son petit frère et partager avec lui l'aventure prodige et je suis très très content d'être ici. Alors moi, en général, je suis plutôt une personne tranquille, empathique et j'aime bien écouter les autres. Quand j'entends jouer Liam, je ressens beaucoup d'émotions parce que le fait qu'il ait une écoute particulière, il essaye vraiment d'entrer en osmose avec les autres musiciens avec lesquels il joue. Et donc, je pense que c'est ça ce qui le caractérise. C'est ça. Ouah, attends, il faut... C'est les lumières aussi, hein, c'est pas que moi. Hein. 1, 2... Je vais jouer le Liebestraum de Liszt numéro 3. Bam, bam, bam. C'est un morceau qui est très romantique. Ça commence très doucement, très calme. Et après, petit à petit dans l'œuvre, ça s'agite. Si tu peux jouer un tout petit peu plus fort, juste là maintenant. Oui, bien sûr. Voilà, comme ça, pour que je puisse te suivre. Donc voilà, je vais essayer de faire de mon mieux et on verra. Ça va le faire, t'inquiète. Avant de monter sur scène, ma mère m'a dit que pour enlever le stress, faut pas avoir les mains qui tremblent et les pieds qui tremblent. Je saute et je fais comme ça, parce que ça relaxe et ça fait sortir tout le stress. Alors je rentre sur scène. Je m'assois tranquillement. Je regarde la chef d'orchestre. Et c'est parti, on commence. Thank you.
Gauthier. Gauthier, Gauthier, Gauthier. Écoute, Liam, j'étais au concert, là. J'ai oublié qu'on était dans une émission de télévision et j'étais littéralement au concert. Merci Donc, merci à toi. On sent que tu as l'expérience, déjà à ton jeune âge, à 15 ans, de tout simplement te livrer. C'est beau, j'ai senti vraiment ta vulnérabilité, tout ce côté poétique. N'oublie jamais ce que tu as au fond de toi et ce que tu nous as donné ce soir. Merci Gauthier, beaucoup. Gauthier, sous le charme. Merci. Julie, et vous ? Bravo, j'ai trouvé que tu prenais l'espace. On pense souvent à la musique comme un phénomène temporel, quoi, avec des noires, des blanches, des rondes. C'est intéressant de le penser en termes d'espace. Et là, j'ai trouvé que tu prenais l'espace. Bravo, parce que c'est quelque chose qui, je crois, ne s'apprend pas trop. Merci beaucoup. Et j'ai eu envie de chanter tout le long. Donc, voilà, merci. Ça doit être très bon signe. Merci à vous. Ça doit être très bon signe. Merci pour vos commentaires et vous chez vous, n'hésitez pas à partager avec nous vos émotions sur le hashtag prodige. On vous attend, ils vous attendent. Alors vous l'avez compris, tous nos prodiges sont des passionnés. Et pour Armand, qui attend en coulisses, le chant est une passion et c'est aussi une histoire de copain qu'il retrouve à la maîtrise de Reims. Alors imaginez sa joie à Armand quand pour son tout premier concert, sa chef de chœur lui a proposé d'être soliste. Il en garde une très grande fierté. Il va nous interpréter un chant de Noël écrit par le poète écossais James Montgomery. Armand. On y va, Liam. Même si je sais, t'aimerais bien retrouver papa et Raphaël tout de suite. Je suis Armand, j'ai 12 ans, j'habite à Reims et je me présente dans la catégorie chant. La chanson qui me donne la pêche le matin et que j'adore, c'est « Je suis en feu » de Soprano. Je suis chaud, je suis chaud. Je suis passionnée de tennis. Je fais 2 heures par semaine. J'aime beaucoup le tir à l'arc et je m'entraîne beaucoup sur les cibles. Pour la demi-finale, bah, je vais chanter Les anges dans ma campagne en anglais. J'aime beaucoup l'entendre chanter, oui. Il y a des morceaux très émouvants, donc je trouve qu'il arrive à faire passer beaucoup de choses par son chant. Cette chanson, elle m'évoque surtout de la joie. C'est très, très, très bien. Bravo. C'est super. C'est juste, tu as vu, il ne faut pas que tu loupes ton entrée sur le Gloria. Tu étais un petit peu en retard, là. On est d'accord ? Oui. Je suis super enthousiaste. Chanter devant le jury et le public, ça va être trop bien. Là, je vais monter sur scène dans moins d'une minute. Je vais chanter devant des jurys. Il y a l'adrénaline qui monte. Alors, Armand, t'es en forme ? Ouais. Ouais, t'es à fond ? J'ai pas le trac. Quand même un petit peu, mais ça peut paraître bizarre, mais je suis plus stressée quand je chante devant des gens de ma famille que quand je chante devant du public. Thank you.
Putain, la justesse. On est content d'être là, hein. Ah. Dingue. Armand, j'adore cette manière que tu as de chanter avec les bras. J'adore. Julie, j'ai l'impression que vous êtes conquise. Bah, en fait, si j'avais pas déjà un fils, je voudrais que tu sois mon fils. Merci. Mais tu es merveilleux. Merci. Bravo. C'est juste, c'est simple, et voilà. Alors, bientôt, je vais chanter Pamina dans La Flûte Enchantée. Je sais pas si tu as déjà chanté Les Trois Enfants, mais j'aimerais bien que tu viennes chanter avec moi. Parce que quand même... c'est pas tout à fait moi qui décide, hein. Il y a des directeurs, mais... Oui. Mais j'aimerais tellement chanter avec quelqu'un comme toi. Merci. C'est magnifique. Et puis, les cris des copains, à mon avis, ça veut dire aussi que t'es un petit mec bien sympa. Donc oui. Ça fait plaisir. Bravo, Armand. Merci. Petra ? Moi, j'ai été complètement fascinée parce que c'était vraiment un moment suspendu, quoi. J'étais suspendue à tes lèvres du début à la fin. Vraiment. Alors, j'ai vu que t'avais mis... un peu de chorégraphie. Hein, j'ai vu que tu prenais l'espace, tu prenais la force du public, tu ramenais à toi. J'ai trouvé ça super. Non, écoute, vraiment, j'ai du mal même à dire. Il n'y a rien à dire. Mais oui, parce que c'est pureté. On est resté la bouche ouverte. Ouais. C'est une pureté, oui, c'est ça. Pureté extraordinaire, pureté, justesse, fluidité, de dingue. Voilà, tu es là. Tu nous as envoyé ça magistralement. Tu te rends compte, tu laisses le jury sans voix. Moi, je dis que c'est pas mal dans Prodige. Et maman ? Et maman, elle en dit quoi ? Maman, elle est très émue, donc... Ben, vous aussi, alors, vous êtes sans voix. Mais il a un pouvoir incroyable, cet Armand. Allez, moi, j'ai encore un peu de voix. On va donc accueillir une nouvelle danseuse sur la scène de Prodige. Alia, elle vit à Marseille. Ah oui, Marseille qui nous reçoit. On imagine, oui, qu'elle a une bonne partie du public hein, qui va pousser pour elle. Alia, elle aime faire remarquer qu'elle ne ressemble pas au cliché de la petite danseuse avec chignon. Elle est fan de Beyoncé, elle a déjà joué dans un clip du rappeur Soprano et elle défend ses chances ce soir avec une très belle chorégraphie sur une danse hongroise de Brahms. On découvre Alia. Et moi, je pars avec toi, Armand. Viens. Prends l'ascenseur, vous avez vu. Je m'appelle Alia, j'ai 15 ans, j'habite à Marseille et ma passion, c'est la danse. Oh oh oh, oh oh. C'est ma queen Beyoncé. Mais bon, ma queen, la reine à mes yeux, c'est ma mère. Quand je la vois, je suis émue et je me dis, mais c'est ma fille qui danse comme ça. Depuis toute petite, je danse. J'avais commencé par la comédie musicale. C'est-à-dire du chant, du théâtre, du modern jazz, du hip-hop. Grâce à tout ça, j'ai pu tourner dans le clip de Soprano et de Jul. Mon professeur m'a demandé « Pourquoi tu fais pas de la danse classique ?» Je me suis dit « Je vais m'ennuyer, ça sert à rien. » Donc ma maman elle m'a dit « Allez, vas-y, essaye. » Et j'ai essayé. J'ai fait mon premier spectacle de fin d'année de danse classique. Et à ce moment-là, j'ai dit « Ah, je veux faire ça. » C'est Marseille City. Ah oui, mais là. Ah oui. On m'appelle et on me dit « Alia, t'as été prise pour Prodige ». Donc quand j'ai su ça, à 7h du matin, j'étais à la danse. J'étais là, j'attendais mon prof, j'étais là. Allez, ouvre la porte, on commence à travailler. Pour cette demi-finale, je vais danser sur la danse hongroise de Brahms, numéro 5. Le ralenti, 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 et bam ! Ta-da-da-da-da-da. Tire, tire, tire. Bon, là, t'es essoufflé, t'es fatigué. Hein. Non, je suis pas fatiguée. J'ai quelque chose dans ma variation que les autres n'ont pas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'espère que ça va bien se passer. Ah. Avant de monter sur scène, je me mets dans ma bulle, j'essaye de me concentrer. Je souffle un bon coup. Ça va aller. Oui, ça va aller. Allez, Alia, tu dois monter sur scène. En plus, il y a ta famille qui est venue te soutenir.
Donc, maintenant, ma grande, vas-y. Surprenante Alia. Ça l'a fait, Alia, ça l'a fait. Pietra. Oui, oui, c'était très surprenant. Ah oui. Effectivement. Le contraste était étonnant et détonnant. On a en face de nous quelqu'un qui a une forte personnalité. On ne met pas longtemps à le comprendre. Alia, je crois qu'il faut prendre la danse dans sa globalité. C'est-à-dire, il y a plein d'esthétiques, classiques, contemporains, hip-hop. C'est de la danse. Donc là, tu as joué le jeu de l'esthétique classique, très codifiée. D'abord, je trouve que tu as un très joli haut, très joli bras. Ton haut du corps est très bien placé. Il faut que tu maintenant mettes l'accent énormément, on va dire l'année prochaine, sur le travail des pieds et des jambes. Et je pense que tu le sais. Oui, je sais. Voilà. Et alors, ce qui était très étonnant, c'est que quand tout d'un coup, il y a eu cette rupture de musique, là, et qu'on oui. a eu du rap, voilà, tout d'un coup, tu as fait des choses techniques, et tout d'un coup, tu m'as tendu les pieds, tout d'un coup, parce que tu étais dans un état d'esprit qui était différent. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois très bien. Voilà. Ouais. Donc, il faut que tu te serves de ce que tu as appris en classique, ou de ce que tu apprends en contemporain, ou de ce que tu apprends en hip-hop. Oui. Et que tu puisses en tirer le meilleur pour toi. Oui. Lâche prise maintenant. Lâche prise. D'accord. Voilà. Gauthier. On
sent évidemment ce fort tempérament. On sent que tu as envie de faire quelque chose. Tu as envie de faire quelque chose de nouveau. Tu as envie de faire quelque chose de différent. Et il faut que tu te fasses confiance. Il faut que tu te serves, de, comme disait Pietra, de toutes ces armes, ces outils techniques des différents mondes de la danse pour créer vraiment ta danse à toi, pas ton style de danse, mais ta manière à toi de danser. Sers-toi de ce tempérament. Ouais. Merci. Alors, Prodige, c'est aussi l'occasion de découvrir des instruments un peu moins connus. Pour la toute première fois dans l'histoire de notre concours, nous avons un organiste. Il s'appelle Stan et il est tombé amoureux de son instrument à la cathédrale d'Annecy. Il le pratique depuis 2 ans seulement et pour l'avoir entendu pendant les répétitions, c'est tout à fait bluffant. On croirait vraiment que cela fait bien plus longtemps. Stan, je sais que tu es par là. Et franchement, Stan, il va nous surprendre. Regardez bien, écoutez bien. Juste après sa prestation, vous aurez une nouvelle chance de jouer avec nous pour remporter la somme exceptionnelle de 15 000 euros. Voici Stan, et moi je pars avec la bouillonnante Alia. Bonjour, je m'appelle Stan, j'ai 16 ans, j'habite en Haute-Savoie. Je suis en première et je fais de l'orgue en classe préprofessionnelle au Conservatoire de Genève. J'ai commencé le piano à l'âge de 7 ans, puis j'ai commencé l'orgue il y a 2 ans. C'était à la cathédrale d'Annecy. Je me rappelle encore comme c'était hier. Il y avait l'orgue comme instrument à découvrir. J'étais tout de suite impressionné de voir plusieurs claviers, beaucoup de boutons. Je ne savais pas à quoi ça servait. C'était absolument magnifique et je suis littéralement tombé amoureux de cet instrument. Ah, ça a bouleversé ma vie. L'orgue, c'est un instrument fantastique. C'est quelque chose qui inexplicable, ça prend au cœur et ça lâche pas. Il y a une connexion avec l'instrument. Vous avez l'impression qu'il y a une ramification qui vient pousser en lui et la connexion se fait avec l'instrument. Et il a une passion qui est dévorante. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Pour la demi-finale, je vais jouer l'introduction des noces de Figaro de Mozart. Pam 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 pam. Je n'ai pas la voix aussi haut, mais bon. Tu chantes bien en plus. Ah bah merci. Le danger, ce serait que quelqu'un coupe la prise de l'orgue. Non. Le danger, c'est qu'il faut que je respire beaucoup, parce que sinon, on va plus avoir d'oxygène et puis on va se tromper. Quand je joue avec l'orchestre, je ressens énormément de bonheur d'être avec un orgue et un orchestre. C'est impressionnant, ouais. Il est fier de Stan. Il fait corps avec la musique. Papa et maman, tes frères et sœurs, on se fera devoir. Réussi. Oh. Bip, bip, bip. Ouais. Avant de monter sur scène, je me pose, j'essaie de rester concentré dans mon objectif qui est de tout déchirer. Je traverse la scène, un peu le trac, mais je pense que ça va bien se passer. Thank you.
Ah, je vous avais dit que Stan allait nous surprendre. Toi qui veux redynamiser l'ordre et qu'on ne voit pas cet instrument que comme un instrument d'église, pour moi c'est réussi, je sais pas, Gauthier. Ah, c'est extraordinaire, bravo Stan. Et merci d'être là, de jouer de l'orgue et de montrer quel instrument extraordinaire c'est. Effectivement, tu as raison, on associe la plupart du temps l'orgue à l'instrument d'église. Évidemment, c'est un instrument d'église, mais c'est aussi un instrument extraordinaire de concert. Et on a d'ailleurs en France des organistes absolument extraordinaires. Donc on est vraiment gâtés. Bravo à toi. Et il faut, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un instrument d'une complexité immense avec plusieurs claviers. Il ne joue pas uniquement de ses mains, il joue de ses pieds parce que... Oui, on l'a bien vu, effectivement. Les pieds ne font pas seulement la basse. On se dit toujours, oui, les pieds, on fait la petite... Non, non, les pieds, il fait la mélodie aussi. Il change les jeux, les tirettes. Enfin, c'est un instrument extraordinaire. Bravo, parce que tu as une maîtrise qui est vraiment époustouflante pour deux années d'orgue. Je me suis dit, non, il y a une erreur. J'ai relu. Je dis, non, deux ans, c'est pas possible. Ça fait deux ans qu'il a commencé l'orgue. Merci beaucoup. Bravo à toi. Bravo, Stan. Julie ? Alors, c'était quoi les coups de pied là, que tu mettais dans l'orgue ? Ah, les coups de pied. C'était pour changer les sonorités de l'orgue. Donc, on utilise les petits boutons que vous voyez ici. Ouais. Et c'est... Ouais, ça demande beaucoup de travail. C'est bien, bravo. Ça, c'est une de mes ouvertures préférées au monde, ah, super, de l'univers. Avec ta virtuosité, tu as réussi à me faire entendre la vivacité de cette ouverture. Donc, bravo. Ça m'a donné furieusement envie de voir les salles de spectacle remplies à nouveau. Merci beaucoup. Cette musique, ces ouvertures d'opéra qui résument, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais toute cette énergie qu'il y a dans les opéras de Mozart, en l'occurrence, nous manque et on en a besoin. Et on espère vraiment que ça va repartir vite, parce que là, on n'en peut plus. Ouais. Voilà. Le message est passé. Moi, je voudrais juste dire quelque chose quand même, parce que j'ai adoré ce que tu as fait. Donc, je voudrais le dire. Mais oui, alors, j'ai adoré. Je trouve que c'est pas anodin de choisir l'orgue. C'est une démarche très personnelle et très engagée. Et bravo. Voilà. Merci beaucoup. Magnifique, Stan. Magnifique. Alors, en plus du spectacle, de l'émotion et des frissons, on a vraiment envie de vous offrir aussi de la joie et du bonheur. On vous propose donc, et je vous le souhaite de tout cœur, d'être notre grand gagnant des 15 000 euros qui sont mis en jeu ce soir. Pour participer au tirage au sort, il vous suffit de répondre correctement à cette question. Quel est le nom de l'instrument dont vient de jouer Stan ? Alors, si vous aviez les oreilles bouchées jusque-là, vous ne saurez pas. Mais sinon, réponse 1, s'agit-il d'un orgue ? Réponse 2, s'agit-il d'un trombone ? Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 72121 ou bien vous appelez le 3632. Le moment du tirage au sort des 15 000 euros approche. Il serait dommage de passer à côté. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance à vous. Et décidément, notre show de Noël passe vraiment très vite puisque nous allons déjà faire la connaissance de notre cinquième et ultime chanteuse. Elle s'appelle Isabelle. Elle a grandi à Denver, aux États-Unis, jusqu'à l'âge de ses 12 ans. Aujourd'hui, elle en a 16. Et sa double nationalité, sa double culture vont sans doute l'aider à interpréter Your Love, une chanson d'Ennio Morricone, extraite du western Il était une fois dans l'Ouest. On y va. Ce qui dégage, c'est incroyable. C'est vraiment beau. Ok, ok. Bonjour, je m'appelle Isabelle, j'ai 16 ans, j'habite à Paris et je suis chanteuse. C'est mon grand-père qui chantait toujours et qui a introduit le chant dans ma vie depuis que j'étais tout petit. Mon grand-père est devenu malade. On est déménagé en France pour être plus près de lui dans ces dernières années. Quand j'ai venu en France, j'ai arrêté de chanter et j'ai perdu l'intérêt. Elle venait d'arriver à Paris, elle changeait d'école, elle changeait d'amis, elle changeait de tout. Ça a été un peu chamboulé pendant quelques années. L'année dernière, mon père m'a encouragée de commencer à chanter, à poursuivre mes passions encore. J'ai commencé à prendre des cours de chant lyrique et d'opéra. Et depuis ce temps-là, je chante presque toujours.
Quand je chante, je pense toujours à mon grand-père et je peux sentir son présence près de moi. Quand j'entends Isabelle chanter, la chair de poule, souvent elle nous fait pleurer. Isabelle est une fille qui est très généreuse de son temps et de son cœur, mais elle est encore très nerveuse. Ça va, t'es confortable ? J'aime être gentille avec les personnes, même si j'ai beaucoup d'angoisse sociale. On va accueillir Isabelle, qui va nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Waouh. De chanter avec un orchestre et avec les choristes et juste être autour de beaucoup de professionnels et de personnes avec beaucoup de talent, c'est formidable. Voilà, merci. Pour la demi-finale, je vais chanter Your Love de Once Upon a Time in the West. J'adore cette œuvre. C'est un message d'amour et juste d'être heureux et calme avec ceux qu'on aime. Quand tu chantes, ça sonne très bien. Maintenant, il faut juste que tu sois plus sereine, que tu prennes confiance en toi. Une partie de moi a beaucoup de confiance en moi, mais une autre partie angoisse et dit que ça ne va pas du tout marcher. Alors, je veux écouter la côté qui est plutôt positif pour que je fasse mon mieux. À demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Isabelle. Je suis dans les coulisses, je vois l'orchestre et tous les choristes et je suis très nerveux. Mais je vais aller sur scène maintenant. Thank you.
Incroyable, hein. Les aiguilles hyper faciles. Merveilleuse Isabelle. C'était comment, Isabelle? C'était formidable. C'est incroyable d'être ici. Julie. Bravo, les aigus sont hyper faciles. L'anglais sonne bien, évidemment. Mais vous entendez la différence. C'est tout de suite quand la langue est intégrée, la voix est beaucoup plus... J'insiste parce qu'à l'opéra, on peut chanter en français, mais on chante souvent dans d'autres langues. Et c'est vraiment un aspect très important. Bravo, on sent que ça te fait du bien. Tout à l'heure, j'avais envie de le dire aussi, le chant pour une femme, c'est une merveilleuse voix, c'est le cas de le dire, pour se connaître et se développer, et développer sa féminité. Et tu es sur la bonne voie pour ça. Tu vas voir que le chant va pas seulement t'empêcher d'être triste, mais il va aussi te permettre d'être une femme magnifique, bien avec toi-même. Et ça, je suis sûre que le chant, je le sens déjà, te l'apporte. Donc bravo d'avoir choisi cette voie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Petra. Ah, c'est... Isabelle, c'est une voix qui transporte, hein, qui te fait oublier beaucoup de choses. Tu le fais avec une telle aisance et en même temps une telle simplicité que c'est presque déconcertant. Bravo. Merci beaucoup. Et tu as profondément ému ton petit frère. Hein. Oui, il a versé une petite larme. Ça va ? C'est un tel bonheur de voir Isabelle réaliser son rêve. Elle voulait chanter avec un orchestre. Elle a tellement de courage, de bravoure, parce qu'elle a beaucoup d'anxiété. Mmh. Elle dit toujours, le courage, c'est d'avoir peur et de le faire quand même. Donc, voilà. Bah, elle nous l'a bien montré. Bravo. Ce soir. Ouais. Une belle preuve de courage. Bravo Isabelle et merci beaucoup. Ce cadeau que tu nous as fait. Merci beaucoup. Et bien sûr, Isabelle, comme tous les autres jeunes artistes de ce soir, attendent vos réactions, vos commentaires sur le hashtag prodige. Alors vraiment, ça, on compte sur vous. Continuez. C'est maintenant au tout dernier prodige de la soirée de s'illustrer. C'est un danseur. Il se nomme Iman et il a quitté sa Martinique natale pour suivre son rêve en métropole. À 15 ans, il ambitionne de devenir danseur professionnel et aussi de créer le premier conservatoire de danse sur son île. Accessoirement, il rêve aussi de remporter prodige. Voici Iman. C'était magnifique, Isabelle. Combien pour la déco? Allez, un 10 sur 10. Je m'appelle Iman, j'ai 15 ans, je viens de Martinique et je pratique la danse. Je suis parti à mes 11 ans à Lyon. Je voulais voir plus grand parce que la Martinique, c'est assez petit. Il n'y a pas de grandes écoles, de conservatoires. Du coup, si on veut faire quelque chose, on est obligé de quitter notre île, on est obligé de quitter sa famille. Ma mère, ça arrive des fois qu'elle pleure. En cachette, bien sûr, parce qu'elle ne me le dit pas, mais je sais quand même. Mais elle est heureuse, à mon avis, que son fils y fasse ce qu'il aime, puisqu'elle a toujours voulu ça pour nous. Je considère que valait mieux qu'il soit heureux, loin, que malheureux à côté de moi. On est fiers d'écouter son enfant et on est fiers de réaliser son rêve, en fait. Ça, c'est énorme. Forcément, quand je vois que mon frère arrive aussi loin dans ce qu'il aime faire, ça rend fier. J'ai pas du tout bégayé là. C'est assez difficile, surtout au collège. Beaucoup de préjugés, quoi. Un garçon qui fait de la danse, c'est un petit peu mal vu. Encore en 2020, c'est dur. Mais ce qu'ils disent, c'est pas ce qui me fait moi. Donc franchement, je passe au-dessus, quoi. Pour la demi-finale, je danse sur la marche turque. C'est quelque chose de puissant. Il y a de la cadence, faut suivre. C'est mieux ce matin. C'était mieux ce matin. Ouais, mais t'es fatigué, Iman, aussi. Hein? À la fin, j'ai pratiquement plus de souffle. Je suis en hyperventilation, quoi. Et je pense que c'est ça le plus difficile, c'est de tenir. Tu as mangé un bon bain et tu vas dormir. Et demain, ça ira mieux. Hein? Okay. Allez, c'est bon. Moi, je suis fière de toi, mon coup.
hein. Avant de monter sur scène, mon rituel, c'est de me mettre dans ma bulle, de me dire que je danse pas pour gagner ou pour quoi que ce soit, je danse pour moi, pour mes proches. Pense à toi, respire, t'as peur de rien. Entrer sur scène, c'est vraiment magnifique. J'ai beaucoup d'adrénaline et je vais essayer de tout donner. Sur la scène de Prodige. Et moi, je voudrais dire une chose par rapport au début de cette émission. Parce qu'on a dit que c'était pas facile d'ouvrir Prodige. C'est pas facile non plus d'être le dernier et de patienter toute la soirée en coulisses, de voir les copains défiler. Bravo, Imane, ouais, aussi beaucoup. Pour merci. Ça. Vraiment. Pietra. Alors, je pense qu'on a en face de nous une forte personnalité, ça c'est indéniable, avec un sens artistique très développé. Maintenant, il faut arriver à canaliser ce sens artistique et qu'il fasse le chemin entre le sens artistique et la technique. Parce qu'il y a des petites fragilités, il y a des petites faiblesses. Je pense qu'il faut que tu te canalises. Je ne sais pas ce que disent tes professeurs. C'est ça ? Voilà.
Alors là, on a vraiment un feu qui n'est pas à l'intérieur, là, qui est à l'extérieur. Mais c'est formidable d'avoir aussi cette personnalité-là, parce que tu vas pouvoir la développer et en tirer le meilleur possible. Merci. Merci à tous les trois. Ah oui, je crois que maman, elle a une petite chose à te dire. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Iman, là, tout simplement? Iman, partir à 11 ans, fallait le faire, de la Martinique. Tu vis tout seul, tu es autonome, tu te gères, tu as d'excellents résultats. Et je suis fière de toi, mon loup. On est fiers de toi. Oui, mais oui. De belles émotions ce soir dans Prodige et de beaux messages d'amour, vraiment. Pendant qu'Imane se ressaisit, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que dans un instant, nous saurons quels prodiges iront en finale de cette 7e saison. Ils sont 15 et il n'y a que 9 places. Attention, c'est une finale exceptionnelle qui nous attend, car pour parrainer nos jeunes artistes, eh bien, un grand nom de l'art lyrique sera avec nous la semaine prochaine. Elle est la soprano qui a vendu le plus de disques à travers la planète. Elle a été la première chanteuse à incarner le rôle de Christine dans la mythique comédie musicale Le Fantôme de l'Opéra. Je veux parler de la Britannique Sarah Brightman. C'est une superstar qui sera avec nous. Regardez. On en rêvait, prodige l'a fait. Après Lang Lang, on s'en souvient, l'an dernier, Sarah Brightman sera avec nous la semaine prochaine. En attendant, c'est le moment du verdict. Nos prodiges nous ont émus, bouleversés, transportés toute la soirée. Mais maintenant, c'est à eux de frissonner. Seuls 3 artistes par catégorie se qualifieront et la décision revient à notre jury. Pietra, Julie, Gauthier, pour vous aider à y voir plus clair et pour qu'on se fasse encore un petit peu plaisir, nous aussi un peu, pour vibrer à nouveau, voici les plus beaux moments de la soirée. On va commencer avec les performances de nos instrumentistes. Voici quelques jolies notes de Stella, Raphaël, Lou, Liam et Stan. Et puis à la maison, vous allez très bientôt pouvoir jouer une toute dernière fois avec nous pour tenter de gagner 15 000 euros. Alors, mon cher Gauthier, vous avez déjà vécu ce moment dans notre concours. C'est jamais très, très facile. Stella, Raphaël, Lou, Stan, Liam, qui
va décrocher son billet pour aller en finale la semaine prochaine. Alors déjà, un immense bravo à tous les cinq, parce que j'ai passé un moment extraordinaire. C'est difficile chaque année, je dois dire. Cette année, ça a été extrêmement difficile. Alors, je vais faire par ordre d'apparition. La première qualifiée, c'est toi, Stella. Bravo. Et une petite larme, bien sûr. Gauthier, on continue. Deuxième qualifié, c'est toi, Raphaël. Une pianiste, un violoniste. Et le troisième ce soir, c'est toi, Liam. Bravo. Le grand frère de Raphaël. Bravo, Stella. Raphaël, Liam, qui seront donc avec nous la semaine prochaine pour la finale de Prodige. Le Prodige de cette année, c'est peut-être l'un d'entre vous. C'est un groupe assez exceptionnel cette année. Ils ont tissé des liens très très forts. On avait un groupe assez exceptionnel. Ça, c'est magnifique. Oui, mais ça, oui. C'est... Et c'est tout l'esprit de Prodige aussi. C'est maintenant au tour de nos chanteurs de se confronter au verdict du jury. Mais auparavant, réécoutons les voix d'Élise, Aliénor, Auguste, Armand et Isabelle. Avait rejoint le jury de Prodige cette année. C'est vous qui allez départager nos chanteurs, Élise, Aliénor, Auguste, Armand, qui cherche sa respiration, et Isabelle. Julie, vous nous donnez les noms des trois finalistes dans votre catégorie, celle du chant. Alors bravo d'avoir mis le pied sur scène. C'est déjà un grand pas. Les trois chanteurs que nous avons retenus ce soir sont Auguste, tu peux respirer, Armand et Isabelle. Donc nos trois finalistes de la catégorie chant, Isabelle, Armand, Auguste. C'est un joli cadeau de Noël, oui, pour vous. On vous retrouvera la semaine prochaine aux côtés de Sarah Brightman, qui sera avec nous. Après les chanteurs, après les instrumentistes, il nous reste à découvrir les noms de nos trois danseurs finalistes. Qui de Paul, Pénélope, Juliette, Alia et Iman va se qualifier. Retour sur leurs entrechats, jetés et autres pirouettes. Et puis ce sera le verdict de Pietra. Mmh.
de Pietragala. Qui parmi ces cinq danseurs retrouverons-nous la semaine prochaine pour la grande finale? Alors d'abord, je vais les féliciter tous les cinq parce que je sais que la préparation a été très difficile. Parce que pour un danseur, il faut pouvoir avoir des salles de danse pour pouvoir s'exprimer. Donc d'abord, bravo, on peut les applaudir tous les cinq. Alors, en premier, je vais appeler Juliette. Et puis, je vais continuer avec Pénélope. Et je terminerai avec Paul. Pénélope, Juliette, vous êtes en finale de Prodige 2020 et de remporter le fameux trophée la semaine prochaine. Ainsi s'achève le show de Noël de Prodige. Regardez ces visages, regardez ces sourires. C'est l'affiche de cette grande finale qui nous attend la semaine prochaine. Merci, vraiment merci à tous pour cette belle soirée. Merci à notre jury. Merci à nos jeunes virtuoses. Merci à Zaya Ziwani pour son talent. Merci à l'Orchestre Philharmonique de Marseille et au Chœur de Provence. Sans vous, il n'y a pas de prodige. Merci aussi à la ville de Marseille et à tous ses habitants pour leur accueil. Merci aux équipes techniques de France Télévisions. Et un immense merci à notre fidèle partenaire, le Crédit Mutuel, sans qui, franchement, cette émission n'existerait pas. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour finir cette saison en apothéose. Très bonne fin de soirée sur France 2. Et ce soir, moi, je vous souhaite le meilleur, que cette fin d'année vous apporte de la joie et de la sérénité avec cette ultime chance de remporter les 15 000 euros qui sont mis en jeu ce soir. Pour participer au tirage au sort, c'est très simple, il vous suffit de répondre correctement à cette question. Combien de prodiges ont été sélectionnés pour la grande finale de la semaine prochaine? Sont-ils 9, réponse 1, ou bien sont-ils 17, réponse 2? Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7-21-21 ou bien vous composez le 36-32. Attention, vous n'avez plus que quelques minutes pour participer. On connaîtra le nom du grand gagnant de ces 15 000 euros dès demain sur le site de l'émission, sur France.tv. Et puis dernière petite chose, franchement ne manquez pas la grande finale de la semaine prochaine. Le cadeau que nous vous offrirons sera incroyable.